Hello! Welcome! Bienvenue sur L-I-D-J-T-J-E-2-M. Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2021 et nous allons souhaiter l'anniversaire de David Morat qui est né ce jour en 1982. Diane Kruger, quand elle est née en 76, Patrick Timsit en 1959, Vincent Lindon également en 59, donc la même année, et Patrick Wayne en 39, et enfin Rembrandt en 06 de l'an 1600. Aujourd'hui, dans les journées actualité, les journées internationales, c'est la journée donc mondiale des compétences des jeunes. Voilà. Et il y a quelques petites pépites, quand même. En fait, il y a un Rémois qui veut battre le record du nombre de visionnages de films au cinéma, en fait, du même film au cinéma. Et pour ce faire, il a le projet, en fait, de regarder 200 fois, donc, au cinéma, Kaamelott, le premier volet. Voilà. Parce qu'en fait, l'ancien record, c'est un Américain qui l'avait avec 191 visionnages de Endgame. Donc, la série issue de Marvel. 200 fois, ça en fait pas mal. Grosso modo, ça fait 4 visionnages par jour pendant à peu près 8 semaines, quoi. Ouais. Il y a peut-être que ça à faire, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il s'est levé, il avait envie de marcher 71 km donc entre Rennes et Saint-Malo dans une journée. Voilà, ça doit être pris d'un coup, il va faire ça le 18 juillet. Donc bientôt. Fait. Sinon, il y a des problèmes de fourmis à Saumur. En fait, il y a des habitants qui sont excédés parce qu'ils sont envahis de fourmis. Et en fait, plus ils se battent contre les fourmis, plus il y en a. Donc, faut peut-être arrêter. En faisant des travaux chez lui, il y a un Français, en fait, il découvre 160 boules de bowling enterrées chez lui, dans le jardin. Normal. Tu sais pas quoi faire d'une boule de bowling, bah tu l'enterres. Voilà, tu en fais un cimetière de bowling, de boules de bowling. Voilà, c'était les petites actualités du jour. Donald, je te souhaite une bonne fête, hein, parce que c'est ta fête aujourd'hui. Et voilà, j'ai plus rien, c'est comme ça. Salut et à demain.